C'est étrange. Ça, c'est Choubi soigné. C'est pas le jour du mariage. Elles ont pas été prises ce jour-là. Regarde ça. C'était pendant notre voyage. Qu'est-ce qu'elles font là? Ben moi aussi. Je me pose la question. Apparemment, elles ont été prises le jour où on est tous partis pour ce pique-nique. Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Ah, ces photographes sont vraiment négligents. Ces photos datent de très longtemps et ils les livrent maintenant. Mais regarde! Regarde, il y en a plein d'autres. Oui, ce sont de vieilles photos, ça. D'avant le mariage, pas vrai? Bien sûr, je me souviens de tout ça. C'est à l'époque où Arjun devait épouser Suhani. Ah oui, ils étaient partis à la maison de campagne. Choub était avec eux. C'était pour qu'Arjun et Suhani arrivent à mieux se connaître. Hein, Ange, c'est bien ça? Hein? Cela dit... Moi, je dois avouer que j'y comprends plus rien du tout. Toi, jette un œil. Ces photos, elles ont bien été prises quand on était dans la jungle. Hein? Oui, mon oncle. Pendant que mon frère et Suhani étaient seuls. Arjun, je veux voir. Donne-moi ces photos. Mais oui, je me souviens. Cette nuit-là, on avait laissé Choub et Suhani seuls à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Yashoda? Qu'est-ce qu'elles ont, ces photos? Montre-moi les photos, s'il te plaît.
Qu'est-ce que ça veut dire? Manoir, tu étais bien avec eux, n'est-ce pas? En effet. Comment ça a pu se produire alors que tu étais avec eux? Je sais rien. À chaque fois que j'ai essayé de dire quelque chose, on m'a envoyé sur les roses. Personnellement, je n'ai rien vu et rien entendu. On était coincés sous la pluie. C'est cette nuit-là? Oh, tu as raison. C'était un véritable déluge. Manoir, que s'est-il passé au juste cette nuit-là? Yashoda, tu peux me punir si tu le souhaites. J'assumerai, mais moi, je ne peux pas t'en dire plus. On ne critique pas Shub. Satya me jetterait à la porte et je serai démuni. Oncle Manoir, comment peux-tu parler de Shub de cette manière? Tu te rends pas compte de ce que tu dis? T'as entendu? Je peux rien dire! On m'interrompt dès que je cause! Attends une seconde, Ange. D'accord, on dit n'importe quoi. Manoir et moi, on ne sait rien. Et ça, on les a inventés? Les photos ne peuvent pas mentir. Elle est là, la vérité, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça démontre clairement que Shub et Suhani avaient une aventure. Sans se préoccuper d'Arjun. Alors qu'il devait épouser Suhani, Arjun avait un rival en la personne de Shub. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il vous arrive à tous? Comment pouvez-vous dire de telles horreurs à propos de Shub? Tu aurais réagi de la même manière si ça avait été Arjun ou Ange sur les photos. Bien sûr que non, ton amour pour Shub t'aveugle. C'est toujours comme ça. Dès qu'il est concerné, tu refuses catégoriquement d'accepter la vérité. Shub ne peut pas commettre la moindre erreur. Shub a commis une erreur. Il a commis une erreur. Il a osé mentir à toute la famille. Yashoda, arrête! Allons, qu'est-ce qui te prend? Il n'est pas comme ça, tu le sais. Pas Shub. Il ne ferait jamais ça. Jamais! Shub s'est bien moqué de moi. Mon frère m'a trahi. Shub et Soigny amoureux l'un de l'autre. Ils nous ont menti tous les deux et ils étaient de connivence. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que papa défend toujours Shub. Trop, c'est trop. Je demande que justice soit faite. Je veux qu'on reconnaisse mon innocence. Arjun, calme-toi, chérie. Shub n'aurait jamais fait ça à l'un de ses frères.
Et on ne devrait même pas se poser la question. Quant à ces photos, moi je dis que quelqu'un est en train d'essayer de semer la discorde dans cette maison. Voyons, Choub, ça non, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais. Non, Lolita, c'est Arjun qui a raison. Choub est responsable. On est tous bien obligés de l'admettre. Je suis outrée par ce qui s'est passé. Choub et Suani étaient amoureux l'un de l'autre, rien que ça. C'est une trahison de Choub. Je ne comprends pas comment il a pu faire une chose pareille. Choub a abusé de notre amour pour lui et de notre confiance. Arrêtez de pleurer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Maman, pourquoi est-ce qu'il a préféré nous cacher qu'il était amoureux de Soigny? Je ne voulais pas épouser Soigny, elle ne me plaisait pas. Maman, il faut arrêter de pleurer. Arjun, peu importe ce qui s'est passé, désormais, nous n'aborderons plus ce sujet. Ces accusations, ces photos, tout ça n'est qu'un énorme mensonge! Quelqu'un lui a tendu un piège. Oh, non! Frangin, je pense qu'on conspire contre toi, là. Comment ça peut se produire sous notre toit? Bon sang, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire une chose pareille. Même après avoir vu les photos. C'est impossible, ça dépasse mon entendement. Mon cœur n'est pas prêt à accepter ça. Non, Choub. Tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais rien qui pourrait me blesser. Je suis si déçue, Choub. Je n'aurais pas imaginé que tu puisses faire une chose pareille. Tu as trahi l'amour d'une mère, c'est pas rien. Arjun a été injustement rejeté. Tu es responsable d'un désaccord entre lui et moi. Non, Choub, ça ne marche pas. N'espère pas t'en tirer comme ça, tu devras tout nous dire. Il va bien falloir reconnaître tes erreurs. Tu vas devoir nous fournir des réponses. Tu n'es pas Dieu tout-puissant, Choub. Toi aussi, tu peux commettre des péchés. Extraordinaire! Même Dieu peut faire une petite descente aux enfers. Il semblerait que Yashoda refuse catégoriquement de voir la vérité en face. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que son amour pour son fils l'aveugle. Maintenant, voici l'histoire du Mahabharata et du Ramayana qui fusionnent. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que Yashoda ne décharge sa colère sur Satya. Lorsque ça se passera, eh bien, mon beau-frère bien-aimé et respecté dans toute la ville, s'il est pris de justice et de vérité, n'aura plus le choix. Il ne pourra plus défendre son fils préféré et il devra le jeter dehors. Et toute la famille sera alors divisée en deux camps distincts. Narayan, Narayan. Choubi, je voudrais te parler. Que se passe-t-il, papa? Tu as l'air préoccupé.
Papa, que se passe-t-il? Vous avez tous l'air si sérieux. Tout va bien? Pa, où est maman? Tu veux bien aller dans ta chambre? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Attention, Annie! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Yashoda, s'il te plaît. Suani va aller dans sa chambre et Shub va rester. C'est inutile de faire un scandale. C'est non. Il n'y a pas de raison pour qu'on les ménage. On leur parlera devant la famille réunie. Allons, mais... Tu es bien allé chercher la statue, n'est-ce pas? Je veux que tu jures devant Dieu que tu nous diras toute la vérité sans rien nous cacher. Oui, maman. Gare à toi si tu te parjures. Arjun et toi discutiez du mariage. Tu étais amoureuse de son frère? Yashoda. Tu vas répondre à ma question. Est-ce que Shub et toi aviez déjà une histoire? Oui ou non? Non, non, je... Oui ou non?
Est-ce que tu vas me répondre, Suani? Allez, réponds à ma question, arrête de nous faire attendre! Tu étais déjà amoureuse de lui, oui ou non? Parle donc, Suani, parle donc! Oui! Déjà des sentiments amoureux? Oui. Belle maman, ce n'est pas toute la vérité. Tu entends ça? Tu entends ce qu'elle dit? C'est moi qu'il faut regarder. Mais j'imagine que c'est difficile maintenant pour toi. Et fais bien attention. Ne va pas me dire que tu ne savais rien. Car si c'est là ton intention, je suis ta mère et jamais je ne pourrais croire ça. J'ai mal plus que tu ne peux l'imaginer. Tu m'as menti. J'avais confiance en toi plus qu'en n'importe qui d'autre, Chou. Tu m'as déçue. Tu m'as profondément déçue. Pourquoi, Chou? Dis-le! Maman, il faut te calmer. Je peux te jurer que tu te trompes. Je me trompe? Au contraire, pour moi, tout est clair. Pourquoi avoir essayé de convaincre ton frère de se marier, d'épouser Suani alors que tu étais déjà au courant de tout ça? Puisque tu savais, depuis le début, que cette fille était amoureuse de toi. Mon! Ne m'appelle plus jamais, maman! J'ai ouvert mon cœur et ma maison pour toi. Je t'aimais comme une mère. Et c'est comme ça que tu me rends mon affection. Vous saviez tous les deux ce qu'il y avait. Non, maman. Vous devez me croire, je vous jure. Ce n'est pas la faute de Choup. Il ignorait la vérité. Jamais je ne lui ai dit ce que je ressentais. C'est vrai, il n'y est pour rien. Ma faute. Oh non, non. Ce n'est
C'est pas ta faute, c'est la mienne. La mienne. Je vous aimais tous les deux. J'avais plus confiance en vous que je n'avais confiance en mes propres enfants. Mais c'est terminé. Ces photos ont révélé toute la vérité. Regarde! Regarde! Regarde les biens, Suani! Regarde! Alors que tout le monde se mettait en quatre pour préparer ton mariage avec mon fils Arjun, tu avais une aventure avec Chou. Si c'est Chou que tu voulais épouser, il fallait me le dire. À mes yeux, Arjun est l'égal de Chou. Et c'est à Chou que je t'aurais donné en mariage. Ça m'aurait fait plaisir, parce que je t'ai d'abord acceptée comme ma fille, Suani. Puis ma belle-fille. Mais vous êtes tombés amoureux. Et à cause de vous, mon fils a dû souffrir. Par votre faute, il a été humilié devant toute la ville. Parce que la vérité, c'est que vous vouliez vous marier tous les deux, hein? Et que le pire, c'est que tout est retombé sur mon Arjun. Calme-toi, Yashoda. Garde ton sang-froid. Mesure tes paroles et réfléchis. Qui es-tu en train d'accuser? Ta façon de te comporter ne doit pas faire exploser notre famille. Alors calme-toi, tu veux bien? Tu veux que je me calme? Alors que j'ai toujours eu totalement confiance en lui? Je pourrais être calme. Non, jamais plus je ne pourrais me taire. Moi, je voulais que cette fille devienne ma belle-fille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vas-y, demande-lui si tu veux. J'ai toujours essayé de faire en sorte qu'elle soit à l'aise, afin qu'elle se sente comme chez elle. Depuis le jour où elle est arrivée dans notre maison, dans notre famille, il y a eu beaucoup trop de malentendus. Il s'en est passé dans cette maison. Mais pas un mot, elle n'a jamais rien dit. Personne ne savait ce qu'elle avait dans le cœur. Parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle peut être fière. Tu te souviens, Chou? Tu as jeté des photos au visage d'Arjun pour lui rappeler son passé. Voilà, ça c'est le tien. Et maintenant, dis-moi comment je peux te rendre justice. Si Arjun avait fait ce que tu as fait, tout le monde sait qu'il aurait rapidement été jeté dehors. C'est votre faute, tout ce qui lui est arrivé. Vous n'avez pas hésité à me mentir.
Et vous avez fait ça avec la seule intention d'humilier Arjun. Non, maman. Soigny n'a jamais menti. Arrête, Choub. Toi non plus, tu n'étais pas un menteur. Et pourtant, tu as caché la vérité. À moi, à ton père et au reste de la famille. Aujourd'hui, j'ai tellement de peine quand je pense qu'en prenant des décisions concernant Arjun et ce mariage, tu ne pensais pas être juste envers lui. Parce que tu voulais juste que Suani soit pour toi tout seul. Choub, tu nous as menti pour te marier avec Suani. Pourquoi, Choub? Dis-le! Pardonnez-moi, je vous en prie, car Choub n'a rien à voir dans toute cette histoire. C'est la vérité, ce n'est pas Choub le responsable. C'est moi qui n'avais pas pris conscience des sentiments que j'avais pour lui. Satya, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit avant le mariage? Vous m'avez demandé de toujours tout vous confier. J'ai bien essayé de vous le dire, papa. Seulement, ce n'était jamais le bon moment. J'ai mis mon amour de côté et pris la décision d'accepter cette union parce que vous aviez déjà décidé pour moi. Choub l'avait décidé aussi. Ensuite, tout est allé si vite. Je pensais dire quelque chose. Seulement, les jours sont passés et... Je vous en supplie, pardonnez-moi. Si c'est la vérité, il est bien trop tard pour en parler, Suani. Bien trop tard. Il faut la dire au bon moment, sinon elle n'a plus de valeur. Choub va devoir payer le prix de ses erreurs. Et je ne peux rien faire pour lui venir en aide maintenant. Ah, parce que tu crois toujours que Choub ne savait rien du tout. Yashoda. Non, papa. Je vous supplie de me croire. Choub ne savait rien du tout. Il le découvre comme vous tous. Tout est ma faute. Ma faute. Je suis bien d'accord, Suani. Tout est ta faute. Si Lolita n'était pas arrivée et ne s'était pas mariée avec Arjun, que serait-il arrivé? Dis-moi. Cette union aurait juste été basée sur des mensonges. Mais heureusement, mon fils a été sauvé. Et c'est Lolita qui l'a épousé. Et non, Suani! Maman, je t'en prie, tu dois m'écouter. Crois-moi, j'ignorais tout des sentiments qu'elle éprouvait. Parce que jamais je n'aurais pensé que Suani puisse m'aimer. Bon, ça suffit. Pour ma part, j'en ai suffisamment entendu. J'ai bien compris ce qui se passait. J'ai enfin ouvert les yeux, puisque j'ai vu les preuves que tout le monde a vues. À partir de maintenant, jamais plus je ne t'écouterai. Jamais. C'est bon, Yashoda, c'est bon. Plus un mot maintenant. Maman, papa, je vous en prie, calmez-vous. Maman, viens avec moi. Choub, bien sûr, ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie. Mais je t'ai toujours aimée comme une mère. Une mère qui avait 3 fils à chérir. Tu es le premier à qui j'ai donné mon amour. Et j'étais très fière que Choub soit mon fils. Mais tu n'as pas hésité à me mentir. Et à me trahir. Viens avec moi. Viens.
माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Calme-toi, mon fils. Je t'en prie, cesse de pleurer. Tu m'entends? Ne pleure plus. Ce n'est pas toi qui as fait une erreur. Ça fait tellement longtemps que j'attends ces paroles. Je te l'avais dit, Arjun. Je t'ai toujours dit que ta mère t'aimait de tout son cœur. Elle est la seule à pouvoir te comprendre. Maman, pardonne-moi. Je t'ai fait souffrir sans m'en rendre compte, je le sais. Non, mon fils. Lève-toi. Toi, tu n'as pas à me présenter des excuses. Ceux qui auraient dû le faire ne s'en sont même pas donné la peine. Maman, merci mille fois. Pour la première fois, on m'a montré de la confiance. Quelqu'un s'est levé pour me défendre. Maman, tu peux me croire. Jamais j'ai voulu épouser Swanee. Seulement, je n'avais pas le choix parce que mon frère voulait m'y obliger. Arjun, il faut oublier tout ça. Pense à autre chose. Oublier? Comment oublier? J'ai toujours mal. Tu sais, pour moi c'est évident. Swanee ne m'a jamais aimé. Rappelle-toi, quand elle avait besoin de quelque chose, jamais elle venait me voir. Mais elle allait toujours voir mon frère. Elle restait toujours éloignée de moi. Aujourd'hui, la vérité a enfin éclaté. Lolita, tu n'as pas idée comme je suis heureux. Je ne veux pas de la fortune de mon père. Je ne veux pas de son entreprise. Non. J'ai enfin ma mère avec moi. Et c'est plus qu'assez. Mais oui, tu as raison, Arjun. Maman, mon frère voulait me faire passer pour un rebelle. La moindre erreur que je commettais prenait l'ampleur d'une catastrophe. Quel exemple. Il le faisait exprès, en fait. Tout ça pour avoir Swanee à lui. Tu comprends? Moi, j'étais son pion. Maman, est-ce que tu sais que Lolita, c'est lui qui l'a appelé? Il a été très rusé. Il a tout imaginé. Dans le but d'avoir ce qu'il voulait. Et il voulait Swanee. Et la fortune de papa. Et maintenant, ma réputation est tellement ternie que c'est fini. Plus personne ne me fait confiance. Maman, papa et toi, vous avez toujours écouté Chubb. Pour les décisions familiales, comme pour tout le reste. Mon frère était toujours à côté de vous sur les photos. Jamais en dessous, moi. Mon frère était toujours à côté de vous sur les photos. Jamais en dessous, moi. Allons, Choubi. Viens ici, entre nous. Maman, pourquoi? Il nous a envoyés en Amérique, en chez moi, alors que lui est resté ici. À ton avis, s'il est resté, c'est parce qu'il voulait passer pour le gentil. Aux yeux de tous, il était celui qui s'était sacrifié. Maman, rends-toi compte. Tuvrindavan n'a jamais tari d'éloge sur mon cher frère. Et moi, quand j'ai voulu aller aux États-Unis d'Amérique, il s'est chargé de convaincre papa. Il jouait celui qui essaie toujours d'aider tout le monde. Arjun. Je regrette, papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Donne-lui une autre chance, papa.
S'il te plaît, pardonne à Arjun. Il ne le faisait pas, juste par amour pour moi. Il savait qu'en mon absence, il pourrait faire ce qu'il voulait et prendre toutes les décisions ici. Maman, j'aimais mon frère sincèrement. Et aujourd'hui, en voyant ces photos, tout m'est revenu en tête. Je me suis souvenu pourquoi il nous avait emmenés en voyage. Papa, je voudrais les emmener, faire un petit voyage. Aller à la ferme de Harry pour passer quelques jours. En passant quelques jours ensemble, ils auront la possibilité d'apprendre à mieux se connaître. J'ai honte de l'admettre. Mais il a fait tout ça juste pour lui. Il avait l'intention de passer du temps avec Soigny surtout. C'est dégoûtant! Mon Dieu. J'avoue que tout ça me donne la nausée. Comment un frère peut-il se comporter de cette façon avec les siens? Maman, papa a toujours traité Chuck comme un dieu. Il le mettait sur un piédestal dès qu'il ouvrait la bouche. Oublions ses autres fils. Non, mon fils. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui accordais à Choub autant de respect. Je vous racontais à tous les deux que Choub disait toujours la vérité. Mais c'est fini. Car à partir de maintenant, tout ça va changer. Ange chez toi, mon fils, vous aurez exactement les mêmes droits que lui. En tant que mère, je peux te le promettre.